Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 19 mai 2016. Et donc sur cette séance, eh bien on reste dans les mêmes zones hein, de cotation que ces derniers jours. On s'est même permis ici de tracer une petite résistance, un petit support pour définir hein, ce qui ressemble de plus en plus à un triangle symétrique hein, dans lequel le CAC 40 évolue euh, depuis désormais le 4 mai. Donc nous sommes ici dans une phase, le triangle, je rappelle, est une phase de continuité qui fait suite ici à une forte phase de baisse et donc cette phase de consolidation, et eh bien à tout lieu, on a tout lieu de, de, de penser qu'elle pourrait se par un mouvement baissier. En attendant, le CAC 40, donc clôture en baisse, euh, à 4282,54, on perd 0,85% sur cette séance, presque 37 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc je dirais que le chiffre importe peu, c'est surtout la tendance qui nous intéresse maintenant, hein, puisqu'on le voit par ce mouvement, et eh bien on pensait au début avoir un rebond technique, mais regardez, on n'a jamais ici, depuis le point bas, et eh bien dépassé ne serait-ce que le retracement des 38,2% de Fibonacci, on est resté ici dans cette zone d'évolution, donc entre le point bas et ce retracement. Et lorsque l'on voit ici que la volatilité euh, et que le, le les, les, les deux zones euh, de tendance eh bien, sont en train de se resserrer, eh bien ça fait plutôt penser à une phase de poursuite qu'à un début de rebond technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons euh, une configuration qui irait plutôt vers la... Euh, vers la confirmation, puisque nous avons donc euh, cette, euh, ce, ce RSI qui reste stable, mais plutôt une orientation baissière. Le euh, stochastique, lui, est à la limite de sa zone de survente. Seul le MACD ici nous signale une rupture de la dynamique par rapport à cette dynamique-ci. Donc on voit bien ici qu'on était très baissier ici et qu'on s'est neutralisé sur cette phase. Donc c'est un peu ce que nous montre ce MACD. Euh, par contre, du point de vue des volumes, on le voit bien, hein, ce qu'on disait sur le triangle ici, on avait ici des phases dynamiques avec des, des donc je dirais des, des, des volumes qui étaient supérieurs sur les grosses phases dynamiques, donc ici une phase dynamique baissière, là ici deux trois dynamiques baissières, enfin deux trois séances baissières avec ici des volumes supérieurs à la moyenne et depuis ici qu'on est rentré dans ce triangle donc depuis ce moment là, hein, sur les volumes et eh bien on a des volumes qui baissent et qui n'ont jamais été supérieurs à la moyenne, ça c'est caractéristique du triangle, puisqu'on a cette zone d'évolution horizontale et cette baisse des volumes qui euh, s'opère au fur et à mesure qu'on avance donc dans, le, dans cette formation, donc ce qu'il va falloir guetter désormais c'est une éventuelle rupture de soit ce support soit cette résistance oblique hein, donc, dont les, les, les les prix vont varier tous les jours hein, puisqu'ils vont se, se rapprocher. Avec des niveaux de confirmation. Donc les niveaux de confirmation sont toujours les mêmes. Re confirmation baissière ici sous 4252 points. La zone de support majeur que nous avons ici sur euh, cette configuration depuis donc le point bas euh, qui s'était marqué le, le 6 mai. Et à la hausse, c'est bien tout simplement les 4379 points, puisqu'il s'agit ici d'une zone de résistance secondaire, juste sous le retracement des 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on reste dans ces zones-là, eh ben, on n'a pas grand chose à attendre. On a une zone médiane ici, alors 4305,77 euh, sur le, le cash, un tout petit peu plus bas sur le futur. Et puis. Eh ben, voilà, on revient ici, on tourne toujours autour de cette, autour de cette zone. Alors, on m'a demandé pourquoi je définissais ça comme la zone médiane. Lorsque l'on regarde le range ici, c'est le, le point euh, par lequel passe un maximum de bougies. Et lorsque l'on regarde, on va, on va élargir un petit peu. Et bien, sur ce range, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Depuis qu'on est entré dans ce range qui euh, touche à cette zone médiane, il y a juste cette bougie là. Qui ne, qui ne vient pas y toucher et donc à part cela, eh bien quasiment toutes les bougies reviennent vers ce niveau. Donc c'est pour ça que lorsque l'on prend une stratégie de range, eh bien on essaye de capter des points bas à l'achat ou des points hauts à la vente tant que l'on est dans ce range, parce que une fois qu'on a bien défini cette zone médiane, eh bien on a toutes les chances de revenir vers ce niveau. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on a une statistique un peu bizarre, on a à peu près autant d'occurrences qu'hier. Qu Par contre au niveau euh, du résultat, on est sur quelque chose qui change un petit peu. Alors voilà, je reviens sur le résultat, voilà. On est à 59% de probabilité haussière pour la prochaine bougie, donc ça ressemble assez fortement à ce que nous avions sur sur la séance du jour mais avec un potentiel plutôt baissier donc là ça a changé c'est à dire que là où on était plutôt à la hausse donc on était à 60% là on n'est plus qu'à 59% par contre le plus gros potentiel serait à la baisse donc attention par rapport à cette statistique, le fait que l'on, si on attaque ici et qu'on commence à augmenter les volumes, ça peut entrer très bien dans les statistiques. C'est-à-dire peu de chances de baisser, mais si on baisse, on ira peut-être plus loin que si on monte. Et puis, sur les, donc sur les statistiques à 5 jours, on est plutôt sur une probabilité haussière. Euh, les chiffres ne sont, ne sont pas les mêmes hein, que ce que nous avions euh, hier, en tout cas euh, au moment où, on, où ces statistiques euh, bon, ne sont pas encore terminées, mais euh, euh, de commencer à dévoiler des chiffres, euh, on a toujours une petite probabilité haussière donc, pour la poursuite euh, du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc, sur cette analyse technique du CAC 40, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.